nous allons corriger les produits qu'on a préparés, qu'on a présentés hier. Avant de corriger, on va nous rappeler, alors, quel est notre projet d'écriture numéro 1? Qu'est-ce qu'on a vu dans notre projet d'écriture numéro 1? Aiden? Je raconte un événement de la vie quotidienne. Très bien. Je raconte un événement de la vie quotidienne. C'est quoi un événement de la vie quotidienne? Un événement de la vie quotidienne, c'est une histoire. C'est une petite histoire. Et on passe au deuxième projet d'écriture. Oui, Yasmine? Je vais parler des personnages en racontant un événement. Qui peut? Je vais parler des personnages en racontant un événement. Alors, je vais parler des personnages en racontant un événement. Je peux dire le projet, je peux dire le slogan autrement. Je vais parler des personnages ou bien? Oui? Je raconte un événement en fait parler. En faisant parler des personnages. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Qu'est-ce que je vais faire dans mon deuxième projet d'écriture? Oui, Chichi? Je raconte un événement de la vie quotidienne. Et qu'est-ce que je vais faire de plus? Oui, Oujden? Et je vais parler des personnages. Et je vais faire parler des personnages. Donc, les personnages de mon histoire vont parler. Bien. Alors, lorsque je raconte un événement de la vie quotidienne, ou bien lorsque je raconte une petite histoire, qu'est-ce qu'il faut respecter? Oui, Mosfa? Je dois respecter la silhouette. Quelle silhouette? Le début. La silhouette de quoi? La silhouette du quoi? La silhouette du ou bien du haute voix, Ayoub? La silhouette du récit. Alors, je dois respecter la silhouette du récit. C'est quoi la silhouette du récit? Oui, Elijah? La silhouette de l'histoire. Hein? De quoi est composée la silhouette? Nani? La suite et la fin. Alors, dans chaque récit, il y a trois parties. Alors, quelles sont ces trois parties? Le début, la suite et la fin. Très, très bien. Alors, dans le début, qu'est-ce que je trouve? Qu'est-ce que je présente dans chaque début du récit? Yasmine? Le nom, le lieu et les personnages. Le nom, le lieu et les personnages. Donc, la suite, qu'est-ce que je trouve? Dans la suite, qu'est-ce que je trouve? Les événements. Les événements et aussi? Les oui? Je trouve dans l'événement. Dans l'événement? Dans la suite. Dans la suite, asseyez-vous les autres. Hein? Les personnages qui parlent. Je trouve les paroles, les personnages qui parlent. Oui, la dernière partie, c'est la fin de l'histoire. Alors, hier, on a écrit, on a raconté un petit événement. Qui peut lire la situation? Aïcha? La voisine est inquiète. Elle n'a pas trouvé son chat. Elle appelle les enfants du quartier pour l'aider à le retrouver. Alors, on a raconté cet événement. La voisine qui n'a pas trouvé son chat, elle demande l'aide de ses petits voisins. Alors, on a travaillé, on s'est mis en fait de groupe. Chacun a fait son travail. Aujourd'hui, nous allons corriger, nous allons lire et corriger ce qu'on a produit. Alors, avant de corriger, il faut lire. Puis, nous allons voir, est-ce que nous avons respecté ce qu'il faut respecter? Alors, pour écrire un récit, pour écrire une petite histoire et pour faire parler les personnages, il faut
Bien. Pour faire parler les personnages, est-ce que j'oublie la silhouette du récit? Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Wujden? Décrire les trois parties de l'histoire. Le début, la suite et la fin. Oui. Puis je fais parler les personnages. Eh, pour faire parler les personnages, comment je fais parler les personnages? Oui. Je fais parler les personnages quand... Qu'est-ce que je fais pour faire parler les personnages? J'indique qu'ils parlent à chaque réplique. Bien. Alors, il faut indiquer la personne qui parle. Oui. Ranim? Je vais à la ligne à la fin de chaque réplique. Oui. Et c'est très important, il ne faut pas oublier. Je mets la ponctuation du dialogue. Bien. Alors, et dans toutes les productions, il ne faut pas oublier, bien sûr. Oui, Etienne. Je mets les majuscules au début de chacun. De chaque phrase. De chaque phrase. Et pour les noms. Les noms. Les noms. Bien. Et. Et. Et à la fin, je dois bien présenter. Alors, on va commencer par le premier produit, le premier groupe. Qui a fait ce travail, le premier produit? Le groupe de Wujden. Wujden, peux-tu passer au tableau? Alors, les autres, vous allez lire. Et vous allez me dire qu'est-ce qui n'est pas correct ou bien qu'est-ce qui manque dans ce produit. Le chat perdu. Aujourd'hui, Chantal est triste. Elle a perdu son chat, Gaston. Elle a cherché autour de la maison. Elle ne l'a pas trouvé. Oui, Chantal a demandé aussi. A demandé aussi le petit garçon de l'aider. Elle retrouve son chat. Elle leur dit. Vous les enfants, est-ce que vous pouvez m'aider? Avec plaisir, madame. Pourquoi tu es triste? Chantal répond. Je ne m'ai pas trouvé mon chat. Je n'ai pas trouvé mon chat. Je suis inquiète. Les enfants de 10 ans. Nous avons cherché dans le jardin, puis et autour de la cité. Nous allons le retrouver. Soudain, les enfants affrontent un petit chat blanc. Sous un arbre. Les enfants le ramènent à madame, à Chantal, qui est très contente. Elle remercie les enfants. Bien. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'est-ce qu'on remarque? Revenons à notre vie. Est-ce que le premier groupe dans ce travail, est-ce que les élèves ont respecté la silhouette du récit? Eya? Le numéro 1 ne respecte pas la silhouette. C'est-à-dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ils n'ont pas respecté la silhouette? Ils ne laissent pas un espace entre les trois parties. Répète, Yasmine. Il ne laisse pas des espaces entre les trois parties. Bien. Alors, qu'est-ce que je remarque? Si je regarde, avant de lire les cinq produits, lorsque je regarde, est-ce que les élèves, les groupes de chaque groupe ont respecté la silhouette du récit? Khalil? Non. Ce n'est pas suffisant de dire non. Non, les groupes ne respectent pas
séparer. Entre le début et la suite. Alors, séparer le début et la suite, mais malheureusement, ils n'ont pas laissé d'espace entre la suite et la fin. Donc, généralement, qu'est-ce que je remarque dans tous les travaux? Il y a une faute commune. Alors, qu'est-ce que je remarque dans tous les travaux, dans tous les produits? Il manque dans la deux. Deux.
début, le lieu, et le temps. Le lieu et le temps. Alors, autre chose, on a dit pour faire parler les personnages, il faut indiquer qui parle à chaque fois et il faut mettre la ponctuation. Est-ce qu'ils ont respecté ça? Est-ce qu'à chaque fois, ils ont écrit le nom de la personne qui parle? Non. Si c'est oui, si c'est non, il faut expliquer pourquoi. Oui, Aïcha. Ils ont respecté la ponctuation et ils ont indiqué qui parle à chaque réplique. Bien, alors, ils ont mis la ponctuation nécessaire et ils ont indiqué à chaque fois la personne qui parle. Passons au troisième produit. Alors, Khalid, passez le tableau. Maintenant, alors, tu vois. Les autres, vous allez écouter et vous allez remarquer s'il y a des points ou quelque chose qui manque. Le chat perdu. Dimanche matin, Madame Juliette a perdu son chat Tirage. Elle a peur, elle pleure. Elle appelle les amis de son fils en disant « Vous avez vu mon chat noir? Non, mais nous allons le chercher partout. » Alors, chacun se dirige vers un côté. Après quelques minutes, Alain le trouve dans le jardin des voisins. Il le prend chez la voisine. Elle leur donne des bonbons. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on remarque, Yasmine? On remarque qu'il, dans les paroles, il ne dit. Il n'indique pas qui parle. Dans quelles paroles? Non, mais. Nous allons le chercher partout. Oui. Alors ici, Madame, comment elle s'appelle? Madame Juliette. Elle a demandé aux amis de son enfant, de son fils, de l'aider. Qu'est-ce qu'elle dit? Vous avez vu mon chat noir? Mais non, mais nous allons le chercher partout. Qui a dit ça? Est-ce qu'ils ont indiqué qui a dit ça? Non. Qu'est-ce qu'il faut ajouter ici? Oui? Disent les enfants. Bien dit, je ne sais pas qui. Bruno, il faut indiquer la personne qui a dit, ou bien les personnes qui ont dit ça. Qu'est-ce qui. Avez-vous d'autres remarques? Je remarque le début. Le début est lent. Oui. Je remarque que Nel n'y a pas de lieu. Alors au début, il n'a pas présenté le lieu. Oui. Et autre chose. Est-ce que dans ce groupe-là, ils ont beaucoup, est-ce qu'ils ont fait parler beaucoup de personnages? Combien de répliques ici? Combien de paroles? Seulement? Seulement deux. On a pu faire parler d'autres personnes. Il met des guillemets après madame dans le. Oui. Ici à la fin, il a fait aimer des guillemets. Alors, qu'est-ce que je remarque aussi? On a dit que pratiquement tous les groupes n'ont pas respecté la silhouette. Au début, on n'a pas trouvé le temps. Et ils n'ont pas indiqué la personne qui parle. Le produit suivant. Ranima? Alors, tu vois ce que se fait, Ranima? Madame Chantal est triste. Elle est malheureuse parce qu'elle a perdu son chat Minou. Elle appelle les amis de son garçon. La
petite fille où elle les questionne. Pourquoi vous êtes triste, madame? J'ai perdu mon petit chat, répond Chantal. Sarah dit, ne t'inquiète pas, ma voisine. Nous allons chercher ton petit chat. Chantal le supplie en disant, s'il te plaît, cherchez mon chat. Les enfants regroupés en trois. Voilà la surprise. Ranim et Wale trouvent le chat avec sa famille. Madame dit en souriant, merci beaucoup mes petits, voici votre cadeau. Oui, c'est un verbe au pluriel avec dans quelle phrase? Ranim et Wale trouve le chat. Oui, trouve là-bas un thé. À part ça, d'autres remarques? Je remarque le lieu. Et qu'est-ce qu'il manque? Au début, normalement. Je remarque le temps. Ils ont oublié de présenter le temps et alors, madame Chantal est triste, elle est malheureuse parce qu'elle a perdu son chat, Minou. Elle a fait des amis de son garçon. Est-ce qu'on sait à quel moment se déroule cet événement? Non. Est-ce qu'on sait où se déroule cet événement? Non. Alors, ce groupe-là a oublié de nous présenter le temps et le lieu. Seulement les personnages qui est madame Chantal, Minou et les enfants. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut corriger ici? Hein? Le groupe 4 ne peut pas respecter la silhouette. N'a pas respecté la silhouette, oui. Le groupe 4 n'a pas respecté la silhouette. Madame, la dernière ligne. Un bon récit. À partir de ces fautes-là,
on va corriger, chaque groupe va corriger ses fautes et va compléter ce qui manque. Alors, mais pour écrire un bon récit, revenons à notre grille. Alors, avant de corriger, on va relire qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une bonne production, pour écrire un bon récit. Tasnim? Venez, Tasnim, tu peux t'approcher. J'écris les trois parties de l'histoire. Oui. Le début. Écoutez, les autres, s'il vous plaît. Et la fin. Oui. Je fais parler les personnages. Oui. J'indique qui parle à chaque réplique. Oui. Je vais à la ligne à la fin de chaque réplique. Je mets la ponctuation du dialogue. Oui. Je mets les majuscules au début de chaque phrase et pour les mots propres. Je présente bien mon texte. Très bien. Alors maintenant, je vais vous rendre votre travail. Alors, on va se remettre en groupe. Vous allez, alors chaque produit, on sait maintenant qu'est-ce qui manque. On va corriger un produit et on va faire des exercices pour la silhouette du dialogue, pour la silhouette du récit. On va faire des exercices correspondants. Et aussi, on va faire des exercices pour la ponctuation, parce qu'il y en a des élèves qui n'ont pas mis la ponctuation correcte. Alors, on va se remettre en groupe pour faire des exercices, pour corriger les fautes et faire les exercices.